Et regarde, c'est ouvert, non? Tout fait à la main. Même les tuiles. Et aussi photographe. Et aussi, je fais de la télé et je fais aussi du cinéma. Depuis que j'ai 20 ans, je baigne dans ce monde de protection de la nature. Et je dis souvent, un peu comme une blague, mais il y a beaucoup de vrai, c'est que c'est vraiment les lions qui ont été mes professeurs de photographie. C'est-à-dire que j'ai découvert la lumière, la patience, peut-être cette beauté incroyable d'un animal sauvage qui chasse, qui élève ses petits. Et pour gagner ma vie, j'étais pilote de montgolfière, donc j'ai découvert en même temps la photographie aérienne. J'avais qu'une envie, c'est de partir sur le terrain, de faire une étude sur le terrain, mais qui n'avait pas de diplôme, des animaux en liberté. Quand je suis rentré en France, je suis devenu photographe, j'ai fait beaucoup d'autres choses que la nature et les animaux, mais toujours c'est ce qui m'intéressait. Et quand en l'an 2003, je voulais essayer de faire un grand travail sur la Terre vue du ciel, il y avait l'an 2000 qui arrivait, il y avait la conférence de Rio, et ça m'a passionné. C'est une œuvre d'art, c'est inouï, il n'y a rien de plus beau. La Terre, c'est le plus bel artiste du monde. Les artistes n'essayent que de reproduire désespérément ce que fait la nature. Je ne suis pas un héros de l'environnement. Les héros de l'environnement, c'est tous les gens qui se battent, qui sont des bénévoles, qui ne sont pas payés, qui ne passent pas à la radio, qu'on n'est pas en train d'interviewer et qui font des choses formidables tous les jours. Et c'est cela mes modèles. Tous les gens qui ne sont, qui sont pas pessimistes et qui relèvent leur manche et qui mettent les mains dans le cambouis et qui aident les autres avec amour et qui font des choses. Et je trouve que ces gens, ils ont un truc un peu plus dans le regard, ils ont un truc en plus. Je pense que agir, s'engager rend heureux. J'aimerais ne plus rien avoir. Je pense que d'être le écolo, c'est de détacher des biens matériels et de ne plus rien avoir à soi. La communauté de New York, c'est 20 millions d'habitants environ, ils consomment plus d'électricité que toute l'Afrique réunie. On voit bien quelque chose qui ne va pas. Quand l'Afrique va vouloir avoir de l'électricité, comment est-ce qu'ils vont faire? Bon, alors on me parle tout le temps des Chinois, des Américains. Oui, mais moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais passer mon temps à demander aux voisins de faire ce que je n'ai pas envie de faire? J'ai pas envie de convaincre les écolos, ils sont déjà convaincus, c'est les autres qui doivent convaincre. J'étais très longtemps dans le combat et je pense qu'on emmène les gens en les aimant un peu plus, en essayant de comprendre pourquoi ils veulent pas changer. On va faire encore un grand concert cette année avec la ville de Paris, j'espère, avec Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, qui viendra pour ça. On est encore un peu dans la bonne conscience, c'est peut-être pas encore dans la conscience, mais alors qu'on a l'impression que l'écologie est passée un petit peu de mode, c'est devenu une vraie réalité, c'est plus devenu une mode, quelque chose de mode, et ça me plaît. Il n'y aura pas de développement durable réussi si on n'arrive pas à vivre ensemble. Et je pense que d'être un écolo, c'est d'aimer la vie, et d'aimer la vie, c'est d'abord aimer les autres.